Okay. You feeling good? Yeah. Okay. Good. Are you good? Good. T'as vu du poids ou quoi? Non. T'as vu du poids, tu vois de quoi? How are you now? You good? How are you? Yeah, you feeling good? Ça va? Ça va et toi? Bah ouais. André, content de te rencontrer. Ça va? Et toi? Ouais, ça va, ça va. Tu m'as bien? Ouais, ça va, ça va. Good guy, friend? My partner. Yeah, English, yeah? Yeah. Good. How are you? C'est bon. How are you? Okay. Yeah. Who is this, bro? My guy! Mon gars! Bon, du coup, on a été un peu dans le rush là. J'étais content de revoir un peu tout le monde. On a fait les premiers testings avec le kiné là. Et voilà, on va avancer petit à petit. On a un programme plutôt tranquille aujourd'hui. Il y a beaucoup de tests pour que eux voient aussi de leurs propres yeux où j'en suis un petit peu. Et puis on va aussi un peu faire de terrain, jouer au football. On va voir l'équipe aussi s'entraîner. Et voilà, on va aller dans la semaine comme ça et on va finir le dernier mois, j'espère, de la meilleure des manières. J'espère qu'on va continuer à bien bosser. Après tout le travail qui a été fait en Italie, maintenant on passe sur autre chose. J'attends de voir ça, mais j'ai hâte. On fait des tests pour voir la puissance que j'ai dans les ischios et dans les quadris et voir s'il y a une différence entre les deux jambes. Un peu comme l'isokinétique test mais avec des machines différentes, un peu plus simples avant l'entraînement. Yes, Julian, you okay? Yeah, fine. You? Happy to see. How was your first day back? Feel good. Yeah. Happy to see you all. Been in the gym? Yeah, too much. Like I told to everybody, my main target is to come back with you before the end of the season. Yeah. And just to finish the season as a normal Forest player. Yeah. Yeah, not a handicap or not a injured player. On est de retour sur le terrain ici, donc ça fait plaisir. On a bien bossé avec Devo justement. Et voilà, on a repris très tranquillement. On a fait des petits exercices avec le ballon, un peu au poste, des petites courses. Je fais aussi tous les tests en gym et pour l'instant les feux sont ouverts, donc on y va, on avance. Monday, I think it's going to be crazy for me. I'm going to feel a lot of emotion to come back in this stadium. Yeah, yeah. No, because it's something special. We can say anything, but City Ground is just special. Yeah, special, yeah. It's really special. And what makes it more special is obviously we've had some tough times this year, but the atmosphere has really only got better. They never put their hands down. It's crazy. Yeah, we've been very and nice. Every time you speak about the fan, I like that because they deserve it. Avec nos blessures, c'est passé vite. Moi et tout, de toute façon, on est dans la même situation. On est, nous trois, en fait, on est arrivés cet été pour découvrir la première ligue. On s'est tous blessés. Je crois que l'intensité, là, il fallait s'adapter un petit peu. D'ouf. C'est
Mais après, moi et Jus, c'était vraiment des grosses blessures, tu vois. On est parti en Italie, c'est ça qui est bien, tu vois. Nous deux, on est parti en Italie, on se retrouve au même endroit. Donc, partenaire de galère, tu vois, de ouf. Ah, franchement, on a vraiment galéré. Parce que c'était. Sur le même bateau. Sur le même bateau. C'était gravement, les gars. Et la Coupe du Monde, quand même, ça nous a mis bien, tu vois. Oui, oui. De regarder tous les matchs. Par contre, écoute, on regardait tous les matchs. Hein. Le match de 11h Iran contre je sais pas qui, on regardait comme si c'était le match de l'année, frère. Parce qu'on s'ennuyait tellement, on regardait tout. Déjà, on s'entendait super bien déjà ici, tu vois. On a grave bien accroché, laisse tomber. Et là-bas, bah, voilà, on a encore pas plus après ce cut, mais on va dire, on a pu même plus parler de nos vies, tu vois, ce que je veux dire, enfin, plus approfondir, tu vois. Là, moi, j'ai repris aujourd'hui, tu vois. J'ai repris, je joue, etc. Je sais que cette période-là m'a forgé. Pour de vrai, je ne sais pas ça pour façon. Ouais. Tu sais que quand tu es sur le terrain, tu te dis, mais c'est vraiment une chance, c'est un luxe. Et quand aujourd'hui, tu sais, quand ça se passe mal, eh ben, je te jure, c'est vrai. Je ne sais pas, je te le dis. Regarde, si, on arrête, parler, il y a trois semaines, on parlait de Nottingham. Je le dis, des fois, quand je vois certaines attitudes que certains joueurs ont sur le terrain, je me dis, mais en fait, moi, quand j'étais blessé ou Jou, quand dans le cadre des matchs, tu dois dire, mais je sais pas, c'est pas la chance que vous avez d'être en bonne santé de pouvoir jouer. C'est ce que j'expliquais au coach tout à l'heure, parce qu'on a un peu parlé. Je disais, en gros, moi, j'en retire que du positif. J'ai réappris mon métier, tu vois. Avant, moi, je venais à l'entraînement, je m'entraînais, je mangeais, je taillais, tu vois. Les soins, vraiment, de temps en temps, quand j'avais une grosse douleur ou un truc, un peu de gym parce que j'aime bien ça, mais basta, tu vois. Là, je sais que si je viens pas avant, je fais mon préchauffement, mon échauffement, si je fais pas mes étirements, mes trucs, si je m'entraîne pas correctement et si je fais pas tous les tutoriels de ces compagnies après, je sais que le lendemain je vais avoir une douleur ou le lendemain je pourrais pas m'entraîner ou je sais qu'à un moment donné, tu vois, mon genou il va gonfler. Et donc ça m'a grave servi parce que j'ai pris une routine, vraiment une vraie routine de footballeur, tu vois.